qui est beau, c'est quand le progrès opère en toi sans que tu t'en rendes compte. Un jour, tu te réveilles et tes fibres se sont multipliées et ton poitrail s'est durci et ton esprit s'est éveillé. Tu ne savais pas encore, mais tu avais appris tous les bons gestes. Tu avais répété les bonnes phrases et tu ne voyais rien venir, mais tu ne disais rien non plus. Et d'ailleurs, au début, rien n'arrivait. Pendant un bon moment, le désert. La phrase, le mouvement, aucun résultat, aucune importance. Justement, ça fait partie du processus. Exécuté comme ça doit être. Pas de résultat, pas de problème. Continuez quotidiennement. Ne pas chercher de justification en dehors de l'accomplissement du programme. Ne pas chercher de motivation. Un jour, tu te lèves et ça n'est plus pareil. Tu le sens tout de suite. Quelque chose a bougé, c'est entré en toi. Tout est beaucoup plus facile. Tout est plus fluide. Tu marches, tu te déplaces. Voilà, tu veux changer de direction. Eh bien, tu changes de direction. Tu veux penser à quelque chose? Clac. Tu y penses. Il n'y a plus d'interruption, il n'y a plus de transition. Tu veux prendre quelque chose, et bien voilà, tu le prends. Et puis alors, si tu veux le poser, ben, tu n'as qu'à le poser. C'est harmonieux, c'est fluide, c'est pas heurté, c'est pas pénible. Mais en même temps, ça ne se disperse pas n'importe où. Tu ne t'arrêtes pas en plein milieu pour regarder en arrière et faire je ne sais pas quoi. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Ah mince, j'avais oublié. Masque, mon la panique. Non. Tout se passe bien, tu remplis tes factures, tu poursuis parce qu'elle dit, et le baquet, le baquet, remplir le baquet. Remplir le baquet, voilà. Doucement, doucement, facture. Donc, alors, le temps masqué du professeur Robert Andrew. Avant d'être, comme l'écrit Aristote, un animal politique, 110,55, l'homme est avant tout un animal temporel, de même qu'il produit de la politique, aussi du temps. 110,55. Il y a politiste parce qu'il n'envisage pas le temps à la manière, par exemple, du facteur. Le facteur va tomber. Ni à la manière de Bergson, non plus. D'un perçu comme une intériorisation par le sujet, qui n'est pas son propos, la théorie du temps masqué, donc postule une corrélation effective du phénomène du continuum dans lequel il s'inscrit. 110,55. Le temps n'existe pas en dehors du phénomène du paquet, et on aura compris à la suite de cette proposition que c'est bien dans l'ordre de la pragmatique que s'inscrit la théorie du temps masqué, et non dans celui de pure conception intellectuelle. Donc, 125. Le paquet est rempli. Est-ce que c'est bon? Est-ce que l'eau est tiède? Ah oui, très bien. On y va. Ah. Allez Pascal, on y va. Ça va Pascal? Abby, bien, débriefing de la journée d'hier, s'il vous plaît. Pascal, débriefing de la journée. Alors, la journée d'hier a été plutôt une bonne journée, qui a consisté surtout à préparer la journée d'aujourd'hui. Et à répéter encore et encore que la pratique sur la théorie est aveugle. La théorie sans la pratique est morte. Les deux, sans la critique, sont vouées à se vider d'elles-mêmes. Pascal, tu as ton drapeau français? Bien, Pascal. Alors ça, c'est très bien. Voici un objet qui réunissait, qui réunit toutes les conditions évoquées ci-dessous. Donc, Pascal, tu peux y aller. Là, tu peux te faire plaisir. Transgresse, Pascal. Alors, on y va, Pascal. Transgresse. Drapeau français. Qu'est-ce... Ah, drapeau français, tu es mal composé.